Voilà, nous abordons la troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes en compagnie de nos invités des rendez-vous pour bien sûr savoir toutes les activités et les événements en cours. Notre premier invité, c'est le professeur Seka Joseph, conseiller technique au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Eh bien, sa présence sur ce plateau se justifie par l'annonce de la journée de l'enfant africain. Bonjour, professeur, et Bonjour. merci d'être là. Vous le merci. Je vous en prie. Alors, cette journée de l'enfant chrétien, de l'enfant africain, pardon. Comprenez-moi, Bien on est en sûr, plein absolument. dans la célébration de la Pentecôte. Absolument. Nous vous écoutons. Mais, merci de nous donner la parole. Je suis là pour le compte du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour parler de la journée de l'enfant africain. Comme vous le savez déjà, cette journée tire son origine du 16 juin 1976, quand à Soweto, en Afrique du Sud, des écoliers voulant protester contre l'institution d'un système scolaire calqué sur l'apartheid, cette manifestation a été réprimée violemment, brutalement et dans le sang, si bien que les pays membres de l'Union africaine et les institutions internationales ont décidé de consacrer la journée du 16 juin comme celle de l'enfant africain. Donc, cette année, cette journée de l'enfant africain a pour thème une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée aux enfants, à tous les enfants africains. Est-ce que la Côte d'Ivoire a pris l'habitude de marquer donc cette célébration? Oui, la Côte d'Ivoire a pris l'habitude de marquer cette célébration et l'innovation de cette année, c'est que la journée qui normalement se déroule effectivement le 16 juin de chaque année intègre la semaine de l'enfant en Côte d'Ivoire, si bien que les activités qui vont démarrer demain vont se poursuivre jusqu'au 16 juin où il y aura le clou. Et qu'est-ce qui va se passer durant ce laps de temps? Organisé par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, plusieurs activités vont meubler cette semaine-là, dont la journée de l'enfant africain. Parmi ces activités, il y aura des causeries, débats, des processions, des activités de sensibilisation sur les conditions de l'enfant en Côte d'Ivoire, les enfants de la rue, les enfants exploités, la traite des enfants, les enfants déscolarisés, les enfants non scolarisés, les enfants abandonnés. Tout cela, il faut bien qu'on s'arrête pour Bien sûr, réfléchir bien sûr. et trouver les voies et moyens pour améliorer la condition de vie de ces enfants-là. Que La chaque adulte semaine, puisse se souvenir qu'il a ce été souvenir, enfant voilà, et que l'enfant a matérialise et besoin symbolise, d'être bien sûr, soutenu, d'être soutenu. épaulé, d'être encadré, Et c'est d'être l'avenir, éduqué. comme on le dit. Et ce que je voudrais dire, c'est que la semaine de l'enfant, qui inclut la journée de l'enfant africain, est placée sous le parrainage de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. D'accord. Les activités commencent demain à Demain. 14h par le lancement officiel sous la présidence effective de Madame la Première Dame à partir de 14h À à l'espace l'espace Latrie. Latri Evans. D'accord. Merci encore à vous alors pour de plus amples informations. Vos contacts, s'il vous plaît. Le contact, c'est le 08 39 06 45 ou le 46 12 71 31. Mais je voudrais dire rapidement, si vous le Allez-y. permettez, qu'il y a des événements phares. Et parmi ces activités phares, il y aura demain, au décours du lancement officiel, la signature de la charte de protection de l'enfant et la déclaration du gouvernement lue par Madame le ministre Anne Désiré Oloto le 15 juin. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces activités vont être éclatées partout en Côte Merci encore d'Ivoire. à vous, professeur Seka Joseph. Ce fut un Merci plaisir beaucoup. de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et vous nous parliez de la journée de l'enfant africain qui se déroule du 10 au 16 juin 2014 à l'espace Latrie Event à partir de 14h. 08 39 06 45. 46 12 71 31. Ben, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci.
Monsieur Sompoi Doué, il est spiritualiste. Il est donc sur ce plateau pour parler de protection pendant les vacances et guérison des blessures des sportifs. Oui, c'est vraiment d'actualité. Hein. Oui, c'est d'actualité. Les vacances et les bientôt, sportifs. C'est les vacances. Mm-hmm. On protège. Beaucoup viennent en vacances sans se protéger. Quand ils retournent en Europe, aux États-Unis, ils ont tous les problèmes. D'accord. Ils prennent leur boulot, ils ont des problèmes. C'est cela. Quand les gens, avant qu'ils ne viennent, ils m'appellent, ils les protègent, ils demandent à Dieu de les protéger. Quand ils viennent avant, quand tout se passe bien. Maintenant, le sorcier, le féticheur qui veut s'amuser avec eux, c'est un homme mort. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, les protons, quand vous dites c'est un homme mort, je suis toujours tenté de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu envoies les énergies de la mort, tu vas recevoir, c'est-à-dire tu récoltes ce que tu auras semé. Toute personne qui vous attaque mystiquement, il va recevoir le retour. Et ça serait fatal pour lui. D'accord. Bon, ok. Maintenant, ceux qui sont en Europe, bon, on intervient pour protéger les séjours, les vacances, ceux qui veulent les enfants, les papiers. Bon, il y a plein de trucs qu'on fait. Ils peuvent appeler pour avoir toutes les informations. Maintenant, nous sommes d'actualité. C'est le mondial. Il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés, des pays qui ont des joueurs blessés. Il y a même les plus célèbres, Ronaldo, Ribéry, tous ces, même une autre frère, Yaya Touré. Maintenant, j'avais dit ça en 2010, il y avait le mondial où Drogba était blessé. On lui a donné 8 semaines pour qu'il guérisse. Je suis venu sur ce plateau pour dire, il donne 6 jours à Drogba, il va guérir, il va jouer le mondial. Il a joué. Cette fois-ci, j'ai réduit ces 6 jours à 3 jours. Vous donnez 3 jours? 3 jours à celui qui est blessé, qui va jouer le mondial, il m'appelle. En 3 jours, il va guérir, il va rejoindre ses partenaires. Mais même s'il ne vous appelle pas, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez. Non, il faut qu'il m'appelle parce que pour Drogba, je l'ai fait. Son père m'a contacté, je l'ai fait à son insu. Mais il ne m'a même pas dit merci. D'accord. De toutes les façons, voilà, vous dites, c'est pas lui qui vous a contacté. Tout le monde écoute. Certainement qu'il était dans certains hôpitaux à se faire soigner. Bon, d'accord. Voilà, protection pendant les vacances et guérison des blessures des sportifs. Donc, toutes les personnes qui se sentent concernées sont priées. Ils peuvent m'appeler, rentrer en contact avec vous. Je vais le faire à partir d'Abidjan. Mm-hmm. C'est pas parce que je vais me rendre au Brésil. Mais tout va se faire au téléphone, tout va se passer à distance. Bah, Dieu est partout et en tout. D'accord. Maintenant, le second point, c'est que rapidement, je vais le dire. Allez-y. Il y a un système aujourd'hui, les gens utilisent le téléphone pour envoûter, pour prendre des sous, faire des trucs aux gens. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui m'a tenté de m'appeler. Pour vous arnaquer, pour dire des trucs, mais il ne sait pas à qui il avait affaire. J'ai fait exploser son portable à distance. Ah. Tout ce que je vais protéger, celui qui s'amuse à les appeler pour faire de n'importe quoi, son portable va exploser. Voilà, c'est le portable de l'autre. C'est le portable de l'intéressé. Ah, c'est pas vous-même votre portable qui. Non, c'est le portable de celui qui appelle qui va exploser. D'accord. Maintenant, le féticheur, le marabout qui a fait ces trucs-là pour donner à ce jeune homme-là, il va prendre le coup. D'accord. Merci à vous, M. Sompoi Doué. Comment est-ce qu'on vous joint? Voilà, peut me joindre à Yopougon, c'est le maire près de la mairie de Yopougon, au 05 00 30 81 ou au 09 22 64 24. Vous appeler puis ou aller sur mon site. On a les contacts qui s'affichent donc au bas de l'écran. Voilà, puis prendre ça et puis appeler pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup, Monsieur Sompoi Doué, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes spiritualiste et vous nous parliez donc de protection pendant les vacances et guérison des blessures des sportifs. Je reprends à toutes fins utiles les contacts 05 00 30 81 09 22 64 24 et passez une excellente journée. Merci madame et bonne fête. Merci à vous. Et dans cette Niamia, on part pour le glamour et cette fois-ci parler de l'ouverture du resto La Recette Magique. J'imagine hein, le nom, quand on entend le nom, on imagine déjà le restaurant, l'intérieur et tout ce que cela peut comporter. Justement, bonjour. Bonjour Caroline, toujours élégante. Merci beaucoup. Je suis là effectivement pour informer la population de l'ouverture depuis le samedi 7 juin 2014 du chic, beau et sympathique restaurant qui offre des mets magiques, d'où le nom La Recette Magique. Il faut dire que c'est un restaurant qui emploie des cuisiniers expérimentés, émérite, qui offre des mets africains et européens, d'où le slogan « Le plaisir est dans l'assiette ». La capacité d'accueil du restaurant, La Recette Magique, est de 50 places. C'est un cadre enchanteur pour
toute cérémonie, que ce soit les mariages, les anniversaires, les comités d'entreprise, les dîners et déjeuners d'affaires et tout ce que vous pouvez imaginez. Vous pouvez aussi nous appeler pour les plats à emporter et les réservations. Et nous, le restaurant est situé où exactement? Le restaurant est situé à la Riviera 2, l'axe rond-point de la Riviera 2 à Nono, en face de l'église des Assemblées de Dieu, juste à côté d'une station, je ne citerai pas le nom, d'accord, et en face merci. D'une banque également. Mais on donc, pourrait même retrouver des stars hein, de la télévision là-bas, tels que Mariem Touré. Voilà, vous voyez déjà le cadre, comme il est beau, il est enchanteur. Et nous invitons vraiment tout le monde à venir. C'est ouvert du lundi au samedi, 11h à 15h et 19h à 22h. Je dis bien que c'est un cadre enchanteur. Et le nom, la recette magique n'est pas fortuite. Venez tout simplement, vous allez manger, vous allez découvrir pourquoi on a choisi ce nom-là. Vous pouvez nous appeler pour tout contact, pour toute information plutôt, au 06 32 22 22 ou le 08 37 82 82. Pour la petite histoire, depuis le samedi, ceux qui sont partis nous ont comme ça dit, écoutez, ça devient la référence au niveau de la restauration à la Riviera 2. Merci et ça beaucoup. Nous a fait plaisir. Donc si vous voulez un restaurant de référence, n'hésitez surtout pas. Appelez d'accord. tout simplement. Donc spécialité européenne et africaine. Voilà, donc voilà. C'est à la recette la magique. Magique. Et dans cette Nyom Nyom, merci encore d'être venu sur Caroline. Notre plateau. L'ouverture du restaurant La Recette Magique, c'est depuis le samedi 7 juin à la Riviera 2. Une véritable merveille. Faites un tour et puis vous nous en direz des nouvelles. C'est à partir d'11h ouvert. Alors 06 32 22 22. 08, c'est 37, je vois, sur l'affiche. Oui, 08 37 82 82. 82. Agréable journée à toi et puis encore une fois, bonne fête. À la et donc, c'est Nyom Nyom. Merci. Monsieur Yomafu. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un concours, du lancement du concours national des villes et villages verts et fleuris de Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Je vous en prie. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Je suis Hubert Yomafu, urbaniste aménageur, membre de l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire. Je suis le président fondateur de l'association Territoires et Paysages. Alors, je suis sur ce plateau ce matin. D'abord, je vous dis merci de nous recevoir sur ce plateau. Je vous en prie. Voilà. Donc, je suis là ce midi du moins pour présenter à la nation ivoirienne un projet de sensibilisation qui voudrait sensibiliser les collectivités, à savoir élus et population. Sensibiliser à quoi exactement? À la culture de la verdure, d'accord. À la culture de l'aménagement agréable du territoire. Alors, c'est un projet que nous avons dénommé le Concours national des villes et villages verts et fleuris de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un projet qui se mène pour l'ensemble des différentes localités, villes et villages. Mais pour la première édition, nous allons travailler avec les villes chefs-lieux de région. Voilà. Et donc, c'est un projet qui voudrait inciter les collectivités à introduire la verdure dans l'aménagement de l'espace, d'accord, par la création des parcs, des jardins, et puis par le planting d'arbres aux abords des rues, qui voudrait aussi encourager les élus à l'aménagement agréable, à la valorisation des espaces et atouts touristiques de nos localités. Il faut dire que c'est un projet qui s'étendra sur un an, et donc qui sera pérennisé, enfin qui s'organisera chaque année. D'accord. Voilà. Et donc faut dire que à la phase l'importance donc de cette action, oui. Il est donc conseillé que beaucoup de personnes se joignent à vous et vous accompagnent, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Faut dire que nous avons déjà le soutien du ministère de l'Environnement. D'accord. Et du ministère aussi de la Construction, de l'Urbanisme et de l'UVUC aussi. Également. Et aussi, je tiens à remercier ici le parrain
qui est le vice-président de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, qui a bien accepté de nous appuyer sur ce projet. Donc on rappelle que le lancement va se faire à la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan. Tout à fait. C'est quand le 12, hein? Le 12. Le 12, le 12 juin à 2014 à partir de 9h30. Tout à fait. Merci beaucoup. Pour d'autres informations, on pourrait vous appeler à quel numéro? Pour d'autres informations, nous sommes joignables au 08 58 22 55 ou au 02 00 14 08. Merci beaucoup, monsieur Yomafou. Merci d'être venu. Je vous en prie d'être venu nous parler donc du lancement du concours national des villes et villages et fleuris de Côte d'Ivoire. Merci encore. Eh bien, ça se déroule le 12 juin 2014 à la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan à partir de 9h30. 08 58 22 55 02 00 10 47. Passez une agréable journée. Merci. Et surtout, posez-vous bien, hein, parce que je sens que vous bossez dur, là. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, je reçois sur ce plateau M. Sourabié Seydou et Mademoiselle Danyogo Fatou. Alors, l'événement, c'est la nuit des élites. Qu'est-ce que c'est? La nuit des élites, c'est les manifestations de fin d'année de notre structure éthique, l'École technique informatique et commerciale. Et à cet effet, je voudrais, avant tout propos, dire que cette manifestation est placée sous la présidence de M. Koulibaly Doulaye, le DG de la DORES. Ah, je pensais que vous alliez dire le DG de la RTI. Pas la RTI, de la DORES plutôt. Jusqu'à preuve du contraire, hein. Amadou Bakayoko reste notre directeur. D'accord, oui. C'est juste pour vous charrier. Voilà, bien sûr. Et sous le parrainage de Monsieur le vice-président de l'université, voilà, Nangua Brogua, M. Lassina. Et cette manifestation sera placée sous le patronage de notre ministère de tutelle, le ministre Niamia Kouna. Nous attendons à cet effet toutes les sensibilités de l'éducation, de la formation, et nous invitons tout le monde à être là. Je pense que c'est une manifestation au cours de laquelle nous allons célébrer l'excellence. Ça va se tourner autour de deux points essentiels. Une conférence qui sera dite le matin à partir de 10h par le DG de la copropriété et du logement, M. Kouala Célestin, et à la caisse table au plateau, bien sûr. Et le soir, à partir de 20h déjà, il y aura le gala, le dîner gala, au cours duquel nous allons célébrer nos meilleurs étudiants. Donc voilà un peu sensibiliser le programme. On rappelle donc l'université. L'université éthique, l'école technique informatique et commerciale. D'accord. Voilà. Ok. Donc, on va donner l'occasion à Mademoiselle Danyogo Fatou. Je la vois me regarder avec de grands yeux. Ça va? Oui, ça va. D'accord, allez-y. Nous invitons, nous en tant qu'élèves étudiants, nous invitons nos amis à participer à cette manifestation dans le cadre de la paix. Parce que la conférence, elle est très importante. D'accord. Elle est d'actualité aussi. Et nous incitons tout le monde à venir et à participer. Vous avez le thème? Oui. Le thème de la conférence. Le rôle des élèves et étudiants dans le processus de réconciliation pour une Côte d'Ivoire émergente. Waouh. Très évocateur. Hein. D'accord. Donc, on rappelle la date, c'est le 12 juin. Le 12 juin. À la Questab à partir de 8h. À partir de 8h. Et qui peut venir? Et tout le monde, madame. D'accord. Tout le monde. Je l'ai dit tantôt, tous les acteurs de l'éducation et de la formation. Voilà. Compte tenu aussi du thème, nous invitons tous les parents. Tous ceux qui sont concernés de loin comme de près, voilà, peuvent venir assister à la manifestation. C'est donc tout le monde. Voilà. Alors, je voulais rappeler les contacts. Allez-y. C'est le 0907 48 42, le 07 10 32 44 et le 01 14 34 32. Merci beaucoup, Monsieur Sourabié Seydou et Mademoiselle Danyogo Fatou, d'être venus sur notre plateau. Je rappelle, vous annonciez la nuit des élites. C'est prévu pour le 12 juin à la Questab à partir de 8h, 09 07 48 42 ou encore le 05 20 75 70. Et à bientôt. À bientôt, madame. Vous êtes invitée, madame. D'accord. On reçoit maintenant deux pasteurs, le pasteur Alberto et le pasteur Renato. Bonjour à vous. Bonjour madame. Avec vous, nous parlons du vendredi de délivrance totale. Exactement. C'est bien cela. D'accord. Tout à fait. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler sur cet grand événement qui va se passer ce vendredi et que nous le dénominons le vendredi de délivrance totale.
avec la distribution de l'eau du fleuve Jourdain, parce que le fleuve Jourdain a témoigné le pouvoir de Dieu dans la vie de plusieurs personnes, surtout dans la vie de Naaman. Naaman a été guéri de sa lèpre. Et aujourd'hui, combien de personnes sont malades spirituellement parlant? Beaucoup de personnes, ils ont une lèpre spirituelle. Des personnes qui aujourd'hui sont au chômage, personnes que leurs affaires sont bloquées, personnes qui aujourd'hui, leur vie, rien ne va, rien ne bouge, parce que derrière ce problème, derrière cette situation, il y a un esprit. Et ce vendredi, nous allons véritablement combattre cet esprit. D'accord. Nous allons lutter pour que cet esprit quitte votre vie. Donc, cette invitation est à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, peu importe la croyance religieuse, peu importe si vous croyez ou pas à Dieu, nous invitons à tout le monde à participer de cet grand événement qui va se passer ce vendredi à partir de 17h30. Et ça se passe au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé. Exactement, ça se passe au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé, au Carrefour Rénol. Mais pour dire aussi que cet événement se passera à toutes nos églises universelles du Royaume de Dieu. Certainement, dans vos quartiers, il y a une église universelle proche où vous pouvez aussi participer et recevoir gratuitement cette eau, l'eau du fleuve Jourdain. D'accord. Alors, pasteur Renato, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais parler que vraiment, ces jours, nous allons déterminer la transformation et la délivrance de tout celui qui croit. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on vous joint? Excusez-moi. Nous avons ici le 49 05 92 06. Nous avons aussi le 56 32 33 et 23. Pour dire aussi que cette invitation à tout le monde, vous qui êtes fatigué, vous qui êtes découragé, peut-être vous avez essayé de régler vos problèmes, vous n'avez pas pu. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes là pour vous aider. Merci encore. Vous pouvez venir, nous allons vous recevoir, nous allons vous donner un certain accueil et certainement Dieu va bénir votre vie. Merci encore à vous, pasteur Alberto et pasteur Renato. Vendredi de délivrance totale, c'est donc ce vendredi au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé Renol à partir de 18h. 49 05 92 06 56 32 33 23. Je vous souhaite de passer une excellente fête de Pentecôte encore. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Monsieur Adenley, j'espère que je n'ai pas écorché, ou bien même si je ne l'ai fait pas trop. Hein. Adenley Denis et monsieur Kwaku Charles. Bonjour à vous. Bonjour. Avec vous, on parle d'un dîner gala, la nuit de l'excellence. C'est bien cela. Nous vous écoutons. L'université méthodiste, la prestigieuse université méthodiste de Côte d'Ivoire, de connivence avec l'association des étudiants de la dite université, organise le traditionnel dîner gala dénommé la nuit de l'excellence le samedi 14 juin 2014 au pavillon Nénia. Pourquoi la nuit de l'excellence? Eh bien, pour répondre à cette question, je dirais tout simplement que parce qu'au cours de cette activité, il y aura des diplômes qui seront décernés aux étudiants qui auront fait valoir le quotient intellectuel au cours de l'année académique 2013-2014 et 2012-2013. Il y aura également des baptêmes de promotion, des passations de flambeaux entre les promotions sortantes et les promotions entrantes. Et je voudrais signaler ici sur ce plateau que au cours de cette activité, l'université méthodiste est un démembrement de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Et l'université méthodiste unie de Côte d'Ivoire fête son centenaire. Et nous, association des étudiants de l'UMESI, ne voulons pas rester à la périphérie et en marge de cet événement qui a été ventilé depuis tant d'années. De ce fait, il y aura sous la houlette de son éminence le très révérend Bishop Benjamin Boni, première autorité de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, la célébration du centenaire de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire au cours de ce gala, Made in UMESI, parce qu'il y a une célébration qui sera nationale, mais nous, association, ne voulons pas prendre part à cette activité d'envergure en apportant notre modeste contribution à cet édifice qui se bâtit. D'accord. Voilà. Donc, à cette nuit de l'excellence, en plus de la remise de diplômes, de distinctions, c'est cela. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Est-ce qu'il y aura d'autres activités en attraction? Il y aura des artistes qui seront là pour faire la fête? Parce que j'imagine qu'après l'effort, après le travail fourni à l'école, vous aurez certainement envie de vous défouler un peu. Oui, naturellement. Nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Donc, de ce fait, après le dîner gala qui va durer 4 heures de temps, de 20h à minuit, il y aura un bal
ensemble de fin d'année, quand les autorités vont se retirer, nous étudiants allons nous retrouver entre nous pour célébrer à notre manière ce dîner gala dénommé la nuit de l'excellence, parce que ça se passe une fois dans l'histoire de l'université méthodiste dans une année académique, l'année 2013-2014. C'est clair. Alors vous n'êtes pas seul, vous allez, on a déjà vu monsieur Kouakou Charles, on va présenter les dames, les charmantes dames qui sont là à ma droite. Vous êtes mademoiselle Niamie, la présidente des étudiants du CMAMC. D'accord. Moi, c'est Regina Cominant. En quelle filière? En ressources humaines et communication. Assez bien. Moi, je suis en gestion commerciale. Gestion commerciale. OK. D'accord. Lui, je crois qu'il veut ajouter monsieur Kouakou. Il veut monsieur ajouter. Adonis. Pardon monsieur. Ah, c'est plutôt vous. D'accord, allez-y. Okay, bon, je veux dire ceci. Je vais d'abord lancer un appel à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, c'est-à-dire les étudiants, tous les étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, les anciens, et même toutes ces personnes qui ont une fois entendu parler de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, de venir afin qu'ensemble nous puissions célébrer l'excellence à notre manière. Et je voulais profiter de l'occasion, pour dire merci. D'accord. Allez-y très rapidement. Ok, dire merci rapidement au très révérend Oro Nathanaël, le recteur de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Mais également à nous la RTI. Plus de temps. Merci, d'accord. Sponsor, merci beaucoup. 02 oui. 22 90 59 03 90 47 54. Bonne journée à vous. Ça, c'est mon invitation. Oui, le carton d'invitation, c'est important. Merci à vous. Donna Doni est notre dernier invité. Il n'est pas seul. Alors, bonjour à vous et merci d'être là. Bonjour Caroline, bonne fête de Pentecôte à vous. Merci beaucoup, à vous aussi. Bonjour chers téléspectateurs, bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs. Voilà, nous sommes présents, sinon je suis présent sur ce plateau en compagnie de Yabongo Lova, l'artiste Zouglou qui fait tabac et tache d'huile actuellement. Voilà, il sera présent ce soir, pour dire qu'il sera présent ce soir sur le coup de 22h au Pink Club à la soirée Golden People de Aristide Manaja et Donna Doni. Voilà, donc Yabongo va faire preuve de donc, tout son talent. Voilà, Yabongo Lova qui est juste là et tout. Voilà, il va faire preuve de tout son talent ce soir. De toutes les façons, il assure, hein, donc étant donné qu'on n'a plus le temps. Voilà, allez-y. Voilà. Donc nous demandons à toutes les personnes, je veux dire, qui admettent, qui aiment Yabongo d'être présente et tout. Nous demandons à toute la clientèle du Pink Club de venir. Parce que lundi à Abidjan, c'est mort. Lundi à Abidjan, ça dort. Mais le Pink Club est du gars déjà à partir de 22h. À partir de 22h. Le Pink Club, voilà. On le rappelle, est situé à Makori. Et Makori, non loin de l'église Sainte-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. Pink Club Discothèque. Pour numéro de téléphone. Voilà, pour toute information, réservation, veuillez appeler le 07 91 43 60, 07 91 43 60 ou le 41 63 71 72, 41 63 71 72. Yabongo Lova, Donna Doni, merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci. Alors, c'est ici que prend fin midi chez nous de ce jour. Nous avons été très heureux de vous présenter ce numéro. On se retrouvera avec le même bonheur demain à partir d'11h30 minutes. L'émission a été réalisée par Inge Santano. Restez sur RTI 1 et surtout, bon repos chez vous. Au revoir.